J'ai un truc. Il est juste à la peine. Attends. Oui, ma truc. Il y en a un autre en dessous. Attends. C'est lui. C'est lui là. Ah donc il y a un autre truc au-dessus. Non, c'est ça, c'est le compte. Non, ça serait pas le. Attends. C'est lui aussi. C'est pas un des deux condits, c'est pas possible. C'est trop court. C'est lui. En face. Là, c'est lui. Au-dessus, je sais pas. Au-dessus, on sait pas trop. Allez, on change d'arme. C'est vrai qu'on dirait une griffe, ça, disons. C'est une griffe de théropode 42. Planté dans le fémur. Planté dans le fémur. C'est nature, nous voilà. Je vais mettre là, du coup, là, ouais. Là, tu vois, on est à. On a 100. Non, mais ils sont plus bas, on voit même plus au niveau de la vue. On va. Ouais, vraiment, là. Ah, il fait à peu près les mêmes proportions. 113. Ouais, 118, si tu rajoutes 110, c'est un peu moins. Il y a un deuxième par là, ah ouais, il y aura les deux autres. D'accord. Bon, bah donc il faut qu'on descende. Peut-être tu peux me passer la pelle. Celle-là, là. D'accord. On va descendre ça. Allez. Ah bah, en plus, ça fera une photo. Quand on se souvient, quoi. 10 ans d'évolution entre le premier et le dernier. Ou alors je me dis c'est une nouvelle espèce encore. Ce qui est sûr, c'est que c'est du sang. On a le bout. Le dernier, je crois qu'on peut dire. On tient le bon bout. Là, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête au premier machin. Là. Non. C'est quoi ce truc qui se fait? C'est le condyle postérieur. Il doit être dans cette zone. Il est pas beaucoup déformé. Il n'est pas déformé du tout. Non, il n'est pas déformé du tout. C'est incroyable. Ouais. Ah, pas du tout. Où est-ce que tu es? J'arrête par là, j'ai touché du dur par là, et normalement, c'est la zone dans laquelle il doit être. Comme ça. Ça avance par quoi, du coup? Jordan, tu veux pas coter ça, là, qu'on s'en débarrasse? Non, la petite tortillisse, là. Touché. Hop, touché. Non. Ça devrait aller, mais en fait, je ne sais pas si ça se fait. Ah bah là tu peux comparer 2 mètres quoi pour l'instant. C'est bien, très court, très robuste. Mais parce qu'il n'y a pas les épiphyses postérieures sur celui de la tente, parce qu'ils sont pétés. Elle est clairement pas bispatulée. Allez, il y a un autre sang en Jacques. C'est pas une dent sur rien. C'est expliqué pourquoi on l'a mis comme ça et finalement elle est comme ça. Quoi. Ça expliquerait pourquoi les proportions sont pas les mêmes. Mais si c'est du Camarasaurus, t'as un truc qui est gigantesque quand même. C'est déjà une belle bête, un Camarasaurus. Là, c'est les Américains qui vont voir. Et pour le coup, en termes d'époque, ça colle. Là ça plonge. Donc lui il fait 50 cm. C'est moindre. Voilà, c'est ça, on est 2 mètres quoi. Oh, ça sera plus c'est raisonnable. Ça va faire moins de 10. Raisonnable de 10. De 10. Bon, et l'état de conservation, c'est quand même très vu. La robustesse. Ouais, devant, ça peut plonger un petit peu plus l'arrondi de conduite devant. C'est l'autre qui apparaît bizarre maintenant. Longiligne. Ah bah l'autre il est. Ouais, mais enfin l'autre il a été déformé. Ouais. Ouais. Et il a été rétro-déformé manuellement aussi. Hein, ouais. Après faudra regarder les extrémités distales qui doivent être C'est rare de les avoir. Sur le pote, c'est rare d'avoir deux conduits. On va la 3D sur les extrémités distales. C'est pour ça qu'on le met, parce que c'est chaud. Mais tout est là. Hein. Donc, on va faire ça. Après, on l'approche. Ouais.
Parce que le problème qu'il fasse la gueule, c'est le problème. Il faut que le garder bien humide, hein, parce que les trucs qui bougent. Oui, mais on s'en fout. Parce que je disais, moi je serais d'avis de l'humidifier, mais Renaud, lui. Je pense qu'un coup d'éponge par-dessus, ça pique un peu. Tu fais les couteaux, les réalisateurs, si on prend le bout du congé, ça va faire 2,10 m.